الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شيخ فيصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours avant de continuer, un rappel concernant action qui nous a mentionné hier, nous a cause concernant valeur endemon les faire wazou. Quand il fait wazou là, il fait aller avec deux conditions. Premier, il fait wazou là bien. Nous t'expliquer qui veut dire faire wazou bien. Ensuite, quand il finit faire wazou, il doit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Les faire wazou avec sa décondition là, les faire aller bien et les lier à sa doua là, il la futihat lahu, excepté que les huit la porte paradis ouvert pour lui. Non seulement que les huit la porte paradis ouvert pour lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il y en a le choix pour lui rendre par la porte qu'il y voulait. Il y en a le choix pour lui rendre par la porte qu'il y voulait. Donc, une action qui est simple, une action qui fait namaz tous les jours, surtout, nous faire cette action-là, nous prendre précaution, faire wazou-là bien, et rappel pour lire sa doua-là, Inch'Allah, nous gagne sa grande récompense-là. Action qui est là avec nous aujourd'hui, c'est une action qui est parmi ban action. Une parmi ban action qui fait un dimon gagne beaucoup récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala de tigit l'état. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, من قرأ حرفا من كتاب الله حديث كتاب الترمذي celui qui lit une lettre depuis le livre d'Allah, le livre d'Allah c'est le Coran, falahu hasana, les gains récompense en hasana, wal hasanatu bi ashri amthaliha, en hasana c'est quoi, c'est 10 bonnes actions. Ensuite le rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans deuxième partie ce hadith là lui explique-nous comment est-ce qu'un djimoun, à travers la lecture Coran, lui gagne beaucoup de récompenses. Comment à travers la lecture Coran, de tigit l'état, lui gagne beaucoup de récompenses avec Allah subhanahu wa ta'ala. Coran, comme on nous connaît, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Coran, c'est pas une créature, comme certains bon groupes, certains bon sectes, je veux dire. Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Qui finit révéler l'eau, ce dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'ange Jibril alayhi salam. Et Coran, c'est le livre de la terre, quand un djimoun lit, il gagne récompense. À part Coran, n'importe quel livre qui nous lit. Nous lit un livre, nous lit un magazine, nous lit la gazette, n'importe quelle chose qui nous lit, à part Coran, nous pas gagne récompense. C'est ce Coran, quand un djimoun lit, connais, être sûr et certain, quand on peut prendre le Coran, on peut lire, ni on peut gaspiller les temps, ni on peut gaspiller l'énergie. On peut gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les malheureux pour nous dire, que ça même Coran, livre qui, du monde qui supposé lire, livre qui supposé faire du monde gagner récompense, ça même livre que du monde plus pas intéressé pour lire. Il y en a les temps pour lire lorsqu'on fait la gazette, tous les jours, toutes les semaines. Il y en a les temps pour lire livres d'histoire, livres littérature. Il y en a les temps pour acheter un magazine, football, les courses, pour les lire. Tout ça là, il y en a les temps. Juste pour lire le Coran, il y en a les temps. Et connaissez un djimoun, les dieux qui de 24 temps que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui, il peut a un petit temps pour lecture du Coran, il peut embêter lui-même. Il peut embêter lui-même. Parce que il n'est pas possible qui un djimoun est capable de faire tout bon les autres petites choses, il est capable de télévision, il est capable de finir combien l'état dans les réseaux sociaux, il est capable comme on dit il y a la gazette, il y a livre, il y a magazine, mais si quand arrive pour lecture Coran il peine à l'état, ça djimoun là peut embêter lui-même, ça djimoun là il peut embêter lui-même, peut-être nous pas réaliser qui quantité récompense que Allah subhanahu wa ta'ala a fait réserver pour un djimoun qui lit le Coran. Récompense ça, il est bien énorme.
Si un monde si réalise concernant récompense ça qui quantité li énorme, nous t'y pouvons faire des efforts tous les jours pour au moins minimum 15 minutes, 10-15 minutes nous mettre de lecture Coran. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans la deuxième partie de ce hadith là, il explique nous comment est-ce que nous gagnons récompense à travers le Coran. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit La aqul alif lam mim harf. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il prend l'exemple alif lam mim. Premier ayat, premier mot de Surah Baqarah. Il dit Mopame dit que alif lam mim c'est un mot. Walakim alif un harf, mais alif c'est une lettre. Walam un harf, lam c'est une lettre. Wa mim un harf, mim c'est une lettre. Les mots qui nous différencient entre mots et lettres. Un mot est composé de plusieurs lettres. Un mot est composé de plusieurs lettres. Donc, récompense que Allah subhanahu wa ta'ala a fait réserver pour nous quand nous lisons le Coran, n'est pas venu d'après quantité surah qui m'ont lire. N'est pas venu d'après quantité sipara qui m'ont lire. N'est pas venu d'après quantité ayat qui m'ont fait lire. N'est pas venu d'après quantité page qui m'ont fait lire. N'est pas venu d'après quantité la ligne qui m'ont fait lire depuis le Coran, mais les venu d'après quantité mots qui m'ont fait lire. Chaque mot, m'ont fait une récompense 10 bons apports. Donc chaque lettre, les venu d'après quantité lettre qui m'ont fait lire, chaque lettre qui m'ont fait lire, m'ont fait une récompense 10 bons actions. Et c'est l'exemple que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous là, alif, lam, mim, et a trois lettres là-dedans. Alif, une lettre, lam, une lettre, et mim, une lettre. Mais Jésus, à travers alif, lam, mim, qui coûte nous quelques secondes, nous pas cause minutes, nous pas cause les temps, quelques secondes, pour nous lire alif, lam, mim, de pas même 5 secondes, nous finissons une récompense 30 bons actions. Un autre exemple, nous prenons le premier ayat de Surah Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Pareil, nous disons le minimum 10 secondes. Ça, un ayat là qui trouve dans Surah Al-Ikhlas, nous comptons combien de lettres il y a là-dedans. Qul, il y a des lettres, qaf et lam. Huwa, pareil, des lettres encore, ha et waw. Allah, il y a 4 lettres, alif, lam, lam, ha. Fait 8 lettres. Ahad, il a 3 lettres. Alif, ha, et dal. Mais dans cette ayat là, Qul huwa Allahu ahad, il a 11 lettres là-dedans. Il a 11 lettres. Chaque lettre qui nous lie, nous gagne récompense 10 bons actions. 11 lettres par 10, les faire 110 bons actions. Get Allah subhanahu wa ta'ala sa générosité. Get comment Allah subhanahu wa ta'ala compte à nous. Get comment dans quelques secondes qui constituent récompense pour gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le normal, chaque jimoun se désire pour les gagner récompense, pas pareil. C'est lui qui a envie de plus beaucoup récompense avec Allah, il peut faire des efforts pour lui lire plus beaucoup. Il est capable de lire 3-4 pages, il est capable de lire une longue surah, il est capable de lire un sipara par jour. Chaque jimoun se iman, pas pareil. Chaque jimoun se désire pour les gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pareil. Donc, plus un jimoun lit plus beaucoup depuis le Coran, il y a plus beaucoup de récompenses avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant les meilleurs pour un jimoun qui les tient en l'étant tous les jours, les met 10 pour lecture Coran. Les tient en l'étant tous les jours, de 24 temps qui Allah fin donne lit dans un jour, les tient en l'étant là-dedans, les mettent lit pour lecture Coran. Par exemple, moi je dis tous les jours après Fajr, ça c'est l'air qui me lit Coran. Ou soit, par exemple, à soir, après Isha, n'importe qui l'est, mais seulement tous les jours, au d'un moment, me connaissez à un moment-là, me libre, mettez ça pour lecture du Coran. Même 10-15 minutes. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître un hadith rapporté par Abdullah bin Amr, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, lis le Coran une fois chaque mois. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa sahabi, Abdullah bin Amr, lis le Coran une fois chaque mois. Sahabilaj avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, m'ont capable y a plus que ça de tigit les temps. M'ont capable y a plus que ça de tigit les temps. Veut dire, dans moi, ce qui est moi, m'ont capable y a plus beaucoup. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, lis une fois chaque 3 jours. Veut dire, un jimoun n'est pas gagné droit
lire un Coran en entier dans moins que 3 jours. Minimum, c'est 3 jours. Minimum, c'est 3 jours. Qui faire? Parce que si un dimon le lit à lui moins que 3 jours, peut-être ce dimon là, il pourra être précipité, il va vous prononcer une lettre là bien. Minimum, c'est 3 jours. Et Ahmed rapporté dans Zuhd, qui est Othman radiallahu anhu. Les Findia, Othman radiallahu anhu, m'ont pas content qu'il n'y ait aucun jour ou nuit passé sans qu'il me finisse le livre d'Allah. M'ont pas content qu'il n'y ait aucun jour ou soit nuit passé sans qu'il me finisse le livre d'Allah, c'est-à-dire sans qu'il me finisse le Coran. Et nous connaissons Othman radiallahu anhu, ce dernier action, le salat est là. Quand Allah est venu pour assassiner, qui action qu'il peut faire? Il peut lire le Coran. Othman radiallahu anhu, c'était un sahabi qui était content de lire le Coran beaucoup. Donc nous aussi pareil, nous faisons effort, si nous connaissons le Coran, nous faisons effort pour nous terminer le Coran, nous lire un Coran entier chaque mois. Les bonnes choses difficiles, nous lire un sipara par jour, nous lire un sipara par jour, et un sipara peut-être maximum, un des gens qui connaissent le Coran, peut-être maximum 45 minutes, les pour prendre nous. Combien 45 minutes nous gaspillons tous les jours dans la vie? Combien 45 minutes nous gaspillons tous les jours dans la vie? Nous laissons nous-mêmes embêter par Shaitan. Nous laissons nous-mêmes embêter par Shaitan. Nous paraissons nous pas faire. Tandis qu'on pense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Allah ina subhanjimun. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Allah ina subhanjimun. Qui veut dire Allah subhanjimun? Bandimoun qui proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui sont là, ce bandimoun là, ça, c'est ban ahlul Qur'an. C'est ban ahlul Qur'an, c'est bandimoun qui j'ai lié Qur'an. C'est bandimoun qui mémorise Qur'an. C'est bandimoun qui apprend Qur'an. C'est bandimoun qui fait des efforts pour j'ai médité, j'ai réfléchi le Qur'an. Ça, c'est ban ahlul Qur'an. C'est bandimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait qualifier comme ce bandimoun. Et bandimoun qui est prêt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous envie, vient prêt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait? Nous fait des efforts pour nous lire le Coran tous les jours de nos vies. Et si un dimoun, les fait une gain sa l'habitude là pour lire le Coran tous les jours, si n'arrivait un jour, il n'est pas resté lire, qui est l'avantage qui est là, quand nous lire le Coran tous les jours, si arrivait un jour, nous pas fin resté lire le Coran, alors nous gain récompense ça. Nous gagnons récompense, par exemple, un jour, un dimon, les fin malade. Ou soit, les fin voyager. D'habitude, il y a le Coran tous les jours, les voyager. Les pannes récits, il y a le Coran pour un parti qui habitait lire tous les jours. Ou soit, les malades, les pannes récits, les gagnent récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme si les fin lire. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Iqra'u al-Quran, hadith qui trouve dans le muslim. Iqra'u al-Quran, lis le Coran. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لي القرآن سيت المال بوفينيز القيامة شفيعا لأصحابه. لبوفيني كم أن انتيسسور بو سو كومبانيون فيديا بو سي لوي كي فين ليالي. لبوفيني كم أن انتيسسور فيديا القرآن بو بلاد بو نوز القيامة. سي ان ديمون لي ميريت الله سبحانه وتعالى سو بينيشون. À travers le Coran, il y a habité le Coran, le salat est là. Ce Coran là pour plaider auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran là pour faire shafa'a pour lui. Et quand nous pouvons lire le Coran, les bons qui nous observent, c'est un bon adab. Les bons qui nous observent, c'est un bon adab parce que le Coran, c'est parole Allah qui nous peut lire. Pas pareil que moi, je peux lire n'importe qui dans les autres livres. Il y a certains bon adab qui nous besoin observer. Premièrement, pas ce Coran, n'importe qui bon action qui un dimon fait, les bizarres faire sa action là avec ikhlas, avec sincérité. C'est un parmi les conditions pour que nos actions les acceptent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si peine à ikhlas, action là les rejeter. Si mon peut faire sa action là pour gagner le nez avec dimon, pour gagner un titre avec dimon, sa action là les rejeter. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Parmi le premier dimon qui peut être jugé sur Qiyama, le premier dimon qui peut rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala sur Qiyama, parmi là-dedans, c'est un dimon qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire faveur lui.
Allah subhanahu wa ta'ala fin faire faveur l'oli. Allah subhanahu wa ta'ala fin faire lui, fin donner lui la possibilité pour lui lire le Coran. Fin donner lui connaissance concernant le Coran, lui fin ton lire le Coran, lui fin lire le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui rappel sa faveur là, lui pour rappel. Et lui pour dire avec Allah, ma fin lire le Coran pour faire toi plaisir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pour dire lui kadabta, tu peux cause menti. Mais tu fin lire le Coran pour dire mon dieu ton qari. Pour dire mon dieu tu connais le Coran. Donc attention, banque Allah subhanahu wa ta'ala fin faire faveur aux autres. Banque Allah subhanahu wa ta'ala fin donne aux autres zoli la voix. Fais attention. À chaque fois qu'il nous peut lire le Coran, révise-nous l'intention. À chaque fois qu'il nous peut lire le Coran, révise-nous l'intention. Qui fait mon bébé faire sa lecture là? Pour dire mon dieu la voix jolie, pour mon gars petit qari avec Dimon, ou soit mon peut lire le Coran pour mon gars sa bonne grande récompense qui Allah subhanahu wa ta'ala fin réserver là. Donc, l'important pour quand Dimon peut lire le Coran, première petite chose, révise-nous l'intention, assurer qu'il nous peut lire le Coran, juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, pas pour gagner l'honneur, pas pour gagner titre avec Dimon. Deuxième adabe que nous devons observer quand nous peut lire le Coran, il ne faudrait pas que nous peut lire le Coran en même temps, nous peut causer, nous peut rire. Nous peut causer, nous peut rire. Je lis un ayat, je cause 10 minutes. Après, on aurait continué. Les bons qui, quand nous peut lire le Coran, nous lire le Coran dans une place que loin que le bandimoun peut causer. Loin que le bandimoun fin réunir les autres, dimoun peut faire ta passe, nous lire le Coran dans une place que nous connaissons. Nous tranquilles, peine à personne pour déranger nous. Et aussi peine à personne qui ne peut pas venir pour une cause avec nous. Troisième adab qui est important quand nous lisons le Coran, c'est cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait nous connaître le Coran, fa idha qara'ta al-Quran, fasta'ib billahi minash shaytan ar-rajim. Quand tu lis le Coran, c'est protection avec Allah contre shaytan le maudit. Parce qu'être sûr et certain, shaytan nous l'ennemi. Quand nous lisons le Coran, shaytan pas pour content. Shaytan pas pour content. La cause qui nous trouvait, il a dit, les nouvelles sur le Coran pour les lire, après les 3 minutes, il ferme le Coran là, il n'a aller. Après les 3 minutes, il ferme le Coran là, il n'a aller, il finit plein. Shaitan, il fallait rappel, tu as tel travail pour te faire. Shaitan, il fallait rappel, tu as tel travail pour te faire, il ferme le Coran, il y aller. Ou soit, une autre façon, qui fait une visée cette protection contre Shaitan, une autre façon que Shaitan est capable d'égarer nous, c'est Shaitan, il fait nous gagner un doute concernant ce qui est dans le Coran. Et aussi, il est recommandé pour nous dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous commençons par Allah subhanahu wa ta'ala, son nom, au nom d'Allah, c'est lui qui en a beaucoup pitié. Et surtout, quand nous pouvons lire ben surah, quand nous pouvons commencer une surah, alors nous disons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, excepté une seule surah, surah At-Tawbah. Aussi, un autre adab qui est important quand nous pouvons lire le Coran, c'est nous garder nous-mêmes propres. Nous avons la propreté Tahara, veut dire place. Qui nous peut lire le Coran là, les propres, nous linges propres, et aussi les mustahab pour qui un djimoun, quand il peut lire le Coran, donc, se linge propre, place que il peut lire le Coran propre, mais ce qui est important, c'est que ce djimoun là, les bizan et na roussel, les bizan et na wazou, ça est important. Les bizan et na roussel et na wazou, quand il peut lire le Coran. Quand nous peut lire le Coran, si nous pas qu'un langage arabe, parce que le Coran, Allah pas ne révèle le Coran juste pour nous lire. Il est vrai que le Coran, il a beaucoup de récompenses dans la lecture du Coran. Mais il ne faudrait pas qu'il nous limite nous-mêmes juste à la lecture du Coran. Nous devons faire des efforts pour nous comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître. Quel message que Allah subhanahu wa ta'ala peut passer dans le Coran. Si nous pas qu'on langage arabe, si nous pas qu'on langage arabe, nous prenons un Coran traduction. Prends un Coran traduction. Dans le langage qui m'oblige, on prend anglais, français, ourdou, créole, dans n'importe quel langage, il y a un Coran traduction. En même temps qu'il m'oblige lire sur arabe, je vais sur traduction. Mais c'est ça pour être moi qui, en même temps, je vais lire le Coran, je vais gagner récompense, et aussi, je vais méditer, je vais réfléchir sur les ayats qu'il y a dans le Coran.
Parce que ce Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Shifa'ul lima fi sudur, ya ayyuhan nas. Ou ben, dis-moi, quand il y a un mawa'idhatum min rabbikum. Fin, il y a un rappel de visite au Rab. Wa shifa'ul lima fi sudur, et une guérison pour ben malade qui est né de l'équerre. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nunazzilu min al-Qur'an fi rabbil bi-Qur'an ma huwa shifa' ina guérison dans ce Qur'an là. Pour ban malade qui est né de l'équerre, qui malade l'équerre, veut dire pour ban di moun qui zot l'équerre li mo spirituellement. Ban di moun qui zot l'équerre fin vin ros. Nous prenons l'exemple là, situation qui nous peut vivre à travers ce virus que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, un simple virus. Nous peut trouver comment le monde à genoux. Un virus qui est invisible. Nous, insan, nous incapables, nous pas capables de faire rien. Nous pas capables de faire rien. Ça, il est supposé être nous pour nous faire nous réfléchir. Ça, il est supposé faire nous réfléchir concernant Allah subhanahu wa ta'ala ce pouvoir. Concernant Allah, sa capacité. Concernant Allah, sa grandeur. Si, dans une situation pareille, me trouvez qu'il n'y a pas aucun changement dans ma vie. Si, dans une situation pareille, me trouvez qu'il n'y a aucun changement dans ma vie. Dans un moment pareil, quand je disais rapprochement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ma vie pareille, ou soit les plus pires, je ne continue pas à faire namaz. Et pourtant, là, je ne suis pas capable d'être esquisse de travail. La plupart parmi nous dans la case. Moi, je suis capable de esquisse, travail, distraction, etc. Moi, dans la case, je suis libre, je suis à l'état pour faire un amas. Si dans ce moment-là, je ne trouve pas qui me rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala, peine un amas, peine à lecture du Coran, peine à l'ibadat dans ma vie, donc, je connais qui a un problème avec mon équerre malade, mon équerre fait une rousse. Si à travers ça, ce qui nous est passé là, un signe que Allah subhanahu wa ta'ala a fait envoyer pour montrer nous son grandeur, son pouvoir, son capacité, ça va faire aucun effet au moi connaît qui moléki est malade et il a son guérison. Et il a son guérison, guérison là c'est Coran. Retourne vers Coran. Première petite chose qui m'a fait retourne vers Coran. Lire ce Coran là avec traduction. Lire ce Coran là. Avec traduction, si je n'ai pas qu'une langage arabe. Il y a Coran, traduction, si je n'ai pas qu'une langage arabe. Ce Coran-là pour faire l'effet qui bise au moins, Inch'Allah. Parce que dans le Coran, nous trouvons Allah sous grandir. Nous trouvons Allah sous capacité, nous trouvons Allah sous pouvoir. Ça pour aide nous pour rapprocher nous-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pour aide nous pour nous recréer une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلا يتد الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك أن ليف كنو فين غيبلي في أتوا مبارك أن ليف كمبارك أن ليف كبني ليتدبروا آياتي الله سبحانه وتعالى فنو كوني غيزون كيفية لفين غيبل القرآن ليتدبروا آياتي afin que nous capables réfléchir au Allah subhanahu wa ta'ala sur un signe qu'il est fin mettre dans le Coran. Dans le Coran, il y a plusieurs signes concernant Allah subhanahu wa ta'ala, son grandeur, son pouvoir, son capacité. Un simple exemple concernant nous, insan, nous créations. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a fin créé nous? Avant que nous n'ayons une forme qui nous a été dans différentes étapes qui nous fin traverser. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا c'est ce Coran là Allah t'a révélé sur une montagne la ra'aytah khashi'a ce Coran là le tipo en la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala donc ce Coran là Allah fin révélé pour nous méditer réfléchir au ban signe qui est là dedans réfléchir au ban ayat qui est là dedans Coran pas révélé mon prend Coran là me poser le mot la table. Pour me garder d'un mot, biffé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, afala yatadabbarun al-Qur'an. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi le Qur'an, n'ont pas médité le Qur'an? Am'ala qulubin aqfaluha, ou soit ina katna de cette l'équerre. Ou soit l'équerre là fin scellé. Ban ki Allah subhanahu wa ta'ala fin scellé cette l'équerre, alors se fait faux. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Demande-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah guide-nous. Demande-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala lire le Coran. Demande-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce Coran-là fait l'effet qui est bizarre, pour que ce Coran-là vienne un remède pour nous l'écrire. Et ensuite, قال القرطبي إمام القرطبي لجيا دلت هذه الآية سآية لا ستن بريف على وجوب التدبر في القرآن سآية لا ان بريف كنت الله بجاء فلا يتدبرون القرآن est-ce que vous n'avez pas réfléchi le Coran, vous n'avez pas médité le Coran ou soit il y a qu'un an à vous l'écrire إمام القرطبي جاء دلت هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن سآية لا بمودغنو qu'il est obligatoire pour nous méditer le Coran. Le yu'raf ma'nahu, afin qu'il nous capable de connaître concernant sa signification, afin qu'il nous capable de connaître qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître dans sa Coran. Wa qala ibn Abbas radiallahu an, ibn Abbas radiallahu an diya, li'an aqara'a suratan, qui me lia en sura, wa urattiluha, me lia li avec tartil, وأتدبرها إم مجد لولا أحب إلي لبليش يا أموا من أن أقرأ القرآن كله كمليا قرآن أنتي ابن عباس رضي الله عنه مليا أن سورة avec ترتيل مليا لي bien avec تجويد مو réfléchis مو مجد لو سآيات لا لبليش يا أموا كمليا أن قرآن أنتي. Et un autre adab Coran encore, c'est nous lire Coran avec tartil. Nous lire Coran avec tartil, nous lire Coran avec un joli la voix. Nous lire Coran avec tajwid. Parce que le langage arabe, c'est un langage qui, si on mal prononce une lettre mon mal prononcée, il est capable sans signification, sans mot là. Mon mal prononce une lettre, il est capable sans signification, un mot. C'est pour ça qu'il est important pour nous apprendre concernant comment lire le Coran, pour nous apprendre concernant le tajwid. Et aussi, il est recommandé à notre adab encore, c'est nous répéter un ayat. Combien de fois nous avons envie pour nous mettre l'emphase dans cet ayat-là? Un ayat, nous répéter plusieurs fois, nous lire plusieurs fois, nous mettre l'emphase dans cet ayat-là pour que ça rentre dans mon esprit bien. Il y a beaucoup d'ayats qui m'ont lire. Répète l'ayat là. Fa'an Abi Darda radiallahu anhu qal, Abi Darda radiallahu anhu dit, qal al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, qam al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi ayatin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin debout fin fin namaz, eli fin lia en ayat. Wa raddaha hatta asbaha. Eli fin répète sa ayat là jusqu'à fin arrive grand matin. Une fois pendant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire namaz tahajjud, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li fin liya en ayat, li fin reste répète ce ayat là jusqu'à arrive le matin. Et qui ayat ça? In tu'adhibhum fa innahum ibaduk, si tu punis eux fa innahum ibaduk, c'est tes serviteurs. Wa in taghfir lahum, si tu pardonnes eux fa innaka antal azizul hakim, certainement tu es le tout puissant et tu es sage. Un ayat qui trouve la surah Al-Ma'ida. Donc nous répète un ayat. Répète un ayat et nous médite ce ayat là. Et aussi, une autre chose, un autre adab du Coran, c'est un dimon quand il y a le Coran, il vient sur l'homme. Quand nous lisons le Coran, nous vient sur l'homme. Nous pleurons quand nous lisons le Coran. Aujourd'hui, nous trouvons combien parmi nous? Combien parmi nous qui, quand il y a un film, il y a une série indienne, il y a un film indien, automatiquement l'homme l'a sorti depuis la solitude. Automatiquement. Ça n'a la lecture Coran, ça n'a la le livre d'Allah. Comme on peut lire Coran, on peut lire sa traduction qui fait mon homme par souci. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيدَهُمْ خُشُوعًا. Et je tombe dans cette figure en pleurant, mais je te prosterne en pleurant وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et je te khushu', je te humilité, je te soumission les augmenter. Et nous avons des sahabas, radiallahu anhum, des gens qui, quand tu peux lire le Coran, tu peux pleurer. Par exemple, Abu Bakr, radiallahu anhum, il est connu comme un celui qui est un lekiyamou. Quand tu peux faire imam, tu peux pleurer. Tu peux être capable de contenir lui-même. Omar, radiallahu anhum, une fois dans le Masfajar, il peut lire sur Yusuf.
Et si tant les fins pleurer, qui ban di moun dans sa fa pa derrière, allons ban la fin tan se pleure. Ça c'est concernant quelques ban adab qui nous besoin observer quand nous lisons le Coran. Et donc si un di moun li pa kon li le Coran, si mo pa kon li le Coran, nous pe rat sa grand récompense. Faites effort, chers frères et sœurs. Faites effort pour apprendre comment lire le Coran. Il n'est pas encore trop tard. Pour apprendre, peine à une limite. Pas de honte. Même on arrive 40 ans, 50 ans, on ne peut pas lire le Coran. Pas bizarre honte. Route bonne place. Il y a plusieurs frères qui donnent leçon concernant comment lire le Coran. Bonne sœur qui donnent leçon concernant comment lire le Coran. Donc, faites effort. Al suivre sa bonne leçon là. Et l'on nous passe à Tawhid, nos frères Awadjan qui peut déjà donner leçon concernant Tajwid. Un sujet qui est important concernant façon liée à Coran. Donc, pas que possible qu'un dimon concernant une petite chose académique, tout une petite chose qui est dans le temps, mais seulement juste pour lui apprendre Coran, il trouve difficile. Ou soit si mon déjà qu'on lit le Coran, mettre mon temps dans une leçon à un dimon qui n'est pas qu'on lit le Coran. Est-ce sûr et certain que sa action là, même demain, mon fin quitte sa dunya là, mon aller, mon suspion bas la terre, mon pour trouver sa récompense. Un dimon pas qu'on lit le Coran, nous besoin investir nous l'état dans sa bonne qualité action là. Un dimon pas qu'on lit le Coran, mon montrer lui comment lire le Coran. Pas qu'il soit facile ça. Pour me montrer un dimon comment lire le Coran, il y a beaucoup de patience qui m'a besoin de prendre. Beaucoup de sacrifices qui m'a besoin de faire. Prendre depuis le commencement, montrer lui un alphabet arabe. Jusqu'à qu'il ait aussi qu'on lit un ayat depuis le Coran, il y a beaucoup d'efforts, de sacrifices qui m'a besoin de faire. La cause ça récompense à les grands. Donc moi, si je connais le Coran, je fais des efforts, je redemande des gens qui ne pas connaît. Montre les autres, enseigne les autres. Et si je déjà connais le Coran, alors je fais des efforts qui me lient le Coran tous les jours, mettre lecture du Coran dans mon avis tous les jours, parce que c'est une action qui se récompense les biens énormes. Demande-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre parmi les ahlul Coran, parmi les gens du Coran, parmi les qui comptent lecture du Coran, pour les qui comptent apprendre le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce que nous entendons. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.